Alors bonjour, que pouvez-vous nous dire On a des visas, tickets d'embarquement. Un ticket d'embarquement pour Bouroussa. Corn Island, une petite semaine de vacances au milieu des vacances. Ça va? Tu es prête pour cette semaine de vacances au milieu des vacances? David veille à ce que l'avion soit bien préparé. Avec des hélices. Nos bagages sont là. Petit avion, petit que ça d'ailleurs. Et voilà, on va bientôt embarquer. Bon ben voilà, on est à bord de la petite lancha, tous entassés comme des sardines. Nos sacs ont été empaquetés, il y a une bâche sur le côté, ça laisse craindre le pire. Et dans une Et là, c'est que tu vois, on est tous serrés. Ah! C'est à quoi? C'était toi là? T'es arrivé? Donc sur la plage du côté village de Corn Island, Little Corn Island. Vita. Ça va les enfants? Elle est mieux de ce côté l'eau? Oui. Bah non, hein, pourquoi? Donc c'est vraiment un petit coin tout tranquille, tout paisible, il n'y a pas une voiture, il y a... Voilà, il y a juste à se laisser porter par le bruit des vagues. Petite balançoire, bricolage, maison, avec une bouteille et un bout de corde. Clac, clac. Wouhou! Jour de pluie à Little Corn Island. Oh, la pluie sous les Caraïbes, c'est pas mal aussi. C'est notre petite maison. Maison où on dort et où on s'est fait attaquer par un rat cette nuit. Il est venu nous manger nos mangues. C'est des rats de cocotiers qui descendent le soir des cocotiers. En fait, ils mangent que des fruits. Et ils n'ont pas mangé les biscuits, ils ont bien mangé que les mangues. Donc les enfants sont allés courir sur la plage. David est en train de se baigner quelque part. Là et du coup on en profite pour faire un petit temps studieux
sous la paillote, c'est quand même la classe de travailler sous les Caraïbes. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? C'est moyen, il fait que pleuvoir et il y a trop de vent. C'est moyen? C'est quand même un luxe de travailler sous les Caraïbes, non? Hein? Alors, que penses-tu de ce petit moment de travail sous les Caraïbes? Et maman nous a proposé que quand on aurait fini, on pourrait regarder un film. Ah ouais, parce que bon, aujourd'hui, s'il pleut toute la journée, c'est vrai que faut s'occuper. Bon, à part David qui est allé nager ce temps-là. Bah, moi, je suis allée courir. Toi, t'es allée courir? Moi aussi, je suis allée. Bon, tu bosses quoi, toi, Titi? Ça. Ça? Et moi, je bosse. Ça va t'inspirer? Le diagramme, le bleu de la mer va t'inspirer. Et toi, Salomé, tu écris? Et toi, Eglantine? Moi, je fais ça l'automne, mais ça, je dois les colorier. C'est pas mon boulot, moi, je dois faire ça souvent. D'accord. Maman. Et toi, Vita, ça va? Vita. Ça va? Bon, ça va, David? Qu'est-ce que tu fais? Je fais la tournée de pain de mie écrasé. Tournée de pain de mie écrasé? Où ça? Non, ça a le goût en plus. Un sale goût, ouais. Dans notre cabane, sur notre petite île de rêve, où nous sommes en train de faire un merveilleux repas de rêve, parce qu'ici, tout est trop trop cher. Donc si on va arriver à tenir notre semaine, et ben voilà, on mange comme des pauvres. On mange plus. Dans notre cabane, on mange même pas dehors parce qu'il y a trop de vent. Ouais, chouette. Le rêve, les Caraïbes. Les Caraïbes, le rêve. Ouais, elle se baigne même pas, maman. Coucou Titi. Alors, qu'est-ce que t'en dis de la vie? Pas trop mal. Pas trop mal? Bon, plein de boutons, mais pas trop mal. Ça arrive. Une allergie au corail. Piqué par le corail. Ou à moins que ce soit une crise d'acné subite. Brûlé ici par le corail. Ensuite hier, les boutons sur le bras. Et aujourd'hui, sur les joues. Grosse crise d'acné. Bon, demain on verra ce que ça va donner. Et demain bon. Je serai à Poisson-Blanc. Sinon le beau temps est revenu. Et voilà, c'est top. On fait vraiment pas grand chose et c'est fou, hein, la vitesse où le temps passe. Une cabane visitée par les rats la nuit. Et donc là on s'est acheté quelques petites empanadas. Un petit marchand qui passait avec une fourmette. Glantine, elle est cool, mais cool. Elle fait sa vie d'un côté, de l'autre. Elle gratouille. Qu'est-ce que tu fais, mon poussin? Je joue, c'est l'heure de manger. Ouais, c'est l'heure de manger. Tu joues à quoi? Tu fais des petites inventions? Non, il y a Lapinou qui dort. Ah, ton Lapinou qui dort. C'est mon petit lapin, Lapinou. Dans une noix de coco, il est trop bien, là. Hein? Ah ben on va manger, qu'est-ce que t'en penses de cet endroit, toi? Moi je le trouve trop beau ici. Tu trouves trop beau ici, ouais. Moi je suis d'accord. C'est juste la mer, il y a un peu trop de vagues et après ça nous fait goûter le nez comme pissenlit. Ah, ouais mais c'est pas grave, ça nettoie les sinus. Salomé, c'est un gros cigare comme ça. La cendrée s'est tout fait tomber dessus. Bon appétit, les amis. Bon appétit. Moi, elle n'a pas assez de maillot. Ouais, non, on n'a pas.